Bonjour, c'est Arnaud pour Morning Kiss. Je suis en dehors de Galeries Lafayette un vendredi, il est pile poil, 12h30, et je viens de voir une grande brune qui vient de me passer. Et je vais aller l'aborder et lui parler en cam cachée avec mon portable. Donc, à voir ce qui se passe. Il m'a fait un petit effet, il m'a regardé surtout quand il marchait devant. Donc, je vais voir ce que ça donne. Bonjour, excuse-moi. En fait, on vient de se croiser, excuse-moi. Et je t'ai trouvé élégante. J'adorais les chaussures, je voulais venir pour la bière. Je pensais que ce serait débile de ne pas passer à Saint-Denis. Ah, tu t'es mis mal à l'aise, c'est ça? Pardon? Tu t'es mis mal à l'aise? Non. Non. Moi, c'est Andoua, là. Je peux me présenter ou... Anastasia. Anastasia? Oui. Ah, c'est pas comment comprendre. C'est russe, comprendre. Mais t'es française, non? Non. J'aurais dit parisienne. Mais t'as un peu cassé les codes avec les couleurs. C'est en fait, ici on dit que c'est obligé de porter trois couleurs et ouais. Tu en portes 5 ou 6, je sais pas combien. Ouais. Et alors ouais, je sais, tu parles super bien. Pardon, je vais pas entendre. C'est du mauvais goût. Pas trop, j'aime bien. C'est pour ça que je suis venu te voir, donc bravo. Et tu fais quoi à Paris alors? Là je cherche un appartement. Tu viens d'arriver? Non, ça fait 7 ans. Justement, tu parles super bien le français. Donc, et alors, tu travailles dans le... J'allais dire la mode, mais c'est trop... C'est trop... Bah oui, je travaille dans la mode, mais ah oui. Je cherche à partir de la mode. Parce que je fais une formation d'histoire de l'art. Ça te plaît pas? C'est quoi? C'est chiant? Toutes les gens qui sont trop... c'est quoi le truc? Non, ils sont juste... Ils s'en foutent? Non, ils sont complètement fous. Ah ouais? Les personnes ça? Sont folles. Ah ouais? Parce que, ouais, enfin, c'est vois, hyper, c'est sont... vraiment, ouais. Mais tout ça, tu vois, c'est pas des... En fait, les gens, ils peuvent. J'ai entendu qu'ils peuvent se tuer parce que leur sac n'est pas arrivé dans la boutique. Mais c'est toi, tu fais le design, tu fais la vente, non, et dans quel moment? C'est un soin instructif. Et là, avec Paris, la Fashion Week, là, ça va être pas mal pour toi, là. Ça va être très dynamique. C'est là où tu as envie de partir et changer. Ouais. Et tu habites ce coin, ou non? Non, ah, non, tu, je sais pas. Tu cherches ton appart, ici? Non, pas ici. Je viens de visiter un appart. Ouais. Et je suis en train de réfléchir sur la campagne. Ah ouais, c'était... C'est cool comme quartier. En fait, moi, je vais voir des potes pour manger. Je filme des vidéos pour ma mère en Angleterre. Moi, je suis londonien. D'accord. Et elle veut voir mon Paris à moi. Donc, je tournais des petites vidéos de Paris. Elle aime bien Galerie Lafayette. D'accord. Donc, je tournais des vidéos là-dedans pour montrer un peu ce qu'il y a. Et tout. Et là, justement, j'allais manger avec des amis. Je t'ai vu et je t'ai dit, c'est cool. J'aime bien les chaussures, en fait. C'est la première chose que j'ai remarqué. C'est un peu comme des Space Boots. La couleur, mais c'était cool. Bon, en tout cas, je vais être hyper labo. Okay. J'aimerais bien qu'on prenne un café en l'un de ces quatre. Je prends ton numéro et on s'envoie un message pour organiser ça. Ok. Alors bonjour, je viens d'aborder une grande brune russe qui m'avait regardé quand elle marchait devant. Donc j'étais assez sûr que ça allait accrocher rapidement. Je ne m'y attendais pas du tout, je pensais que c'était une française. Le truc qui m'est venu à l'esprit quand je l'ai vu, c'était son style. Vous remarquez que je lui fais l'exprès le commentaire que voilà, c'était bien habillé en mille couleurs. Et donc c'est souvent une approche très utile quand vous faites une remarque sur le style, c'est d'aller plus loin en disant que voilà, normalement on ne porte que trois couleurs. Mais toi tu en portes beaucoup ou tu respectes pas la règle. Après on peut dire que voilà, c'est ton côté aventurier, c'est ton côté rebelle, ça peut être un truc utile. Vous allez remarquer aussi qu'au début c'était très difficile en fait parce qu'elle s'était arrêtée, mais elle était au portable, elle était en train d'envoyer un message et elle continuait à envoyer le message. Même quand je lui avais quand je me m'étais mis devant elle, c'était un peu déstabilisant. Ça m'est déjà arrivé.
c'est hyper facile à ce moment-là de partir ou de dire mais tu m'écoutes pas et ça va juste l'offusquer. Donc il faut faire comme si, voilà, c'est, elle n'est pas en train de faire quoi que ce soit. Alors je continue à parler, je dis va, tu verras que je t'ai mis mal à l'aise avec un sourire. Donc ça c'est assez utile et elle a dit non. Là c'est un feu vert alors pour continuer. Et alors je lui tourne la main, je dis je vais me présenter, moi c'est Andrew. Et là ça lui oblige presque de lâcher son portable et tout de suite elle l'a fait. Je l'ai mis à l'aise parce que en me présentant, je n'étais plus juste un inconnu dans la rue, j'étais Andrew, le mec, le grand bras qu'il avait abordé devant le magasin. Important, un petit truc intéressant, c'est qu'il y avait un vigile qui était juste devant la porte du magasin où elle allait entrer, qui matait le scène devant lui, assez intéressé, intrigué. Et quoi d'autre à dire pour cette interaction? Elle était très très timide, assez difficile à vraiment ouvrir. Mais par contre, une fois qu'elle se mettait à parler, elle voulait parler d'elle comme toutes les femmes. Et du coup, elle cherchait un appart dans le coin et je posais des questions, je m'intéressais à elle. Dernière chose, c'est qu'elle m'a dit son prénom, c'est Anastasia. Je dis, je ne préconise pas d'habitude de faire trop de commentaires sur un prénom parce que ce n'est pas une accroche hyper utile. Ça ne peut pas aller trop loin si on dit, ouais, moi je m'appelle Hélène, ouais, cool, c'est un joli prénom, mais il y a quoi d'autre à dire. Mais vu qu'elle avait un petit accent et elle s'appelle Anastasia, ça m'a donné un super point d'entrée pour aller justement plus loin et faire une supposition sur d'où elle venait ou voulu me renseigner sur ses origines. Surtout qu'elle parlait hyper bien le français, donc c'était une interaction assez bien, j'étais bien, je sens que le numéro est très solide. J'ai dû couper la vidéo pendant la prise de numéro parce que justement je tourne avec mon portable. Suite aux commentaires où vous avez demandé des approches in extremis comme ça. Par contre, à la fin, en fait, on est resté encore 2-3 minutes à parler parce qu'elle m'a raconté un peu plus sa vie, ce qu'elle faisait. La numéro, histoire de vraiment concrétiser le numéro. Là, je sens que c'est vraiment un numéro très solide. On s'est parlé un peu en anglais aussi à la fin. Et ça, c'est pas mal. Pour moi, je pense que c'est un numéro que je vais relancer peut-être. Plutôt pour par intérêt parce qu'elle était intellectuelle, cultivée, je sentais qu'il y avait un bon feeling. Et du coup, j'espère que vous avez des commentaires, des questions, de belles apprentissages, de bons apprentissages à en tirer. Et à très bientôt pour de nouvelles approches sur Morning Kiss.